Le message aux prêtres. Jésus-Christ, selon saint Jean,
Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui, car celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Il s'est fait chair et il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire du Tiers-Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrit, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi, il était. Car la loi lui donnée par l'entremise de Moïse, fils unique engendré, qui est dans le Saint-Père, lui. Nous avons retenu les événements.
événement suivant. La série d'affecter Caritatis sur le renouveau de la vie consacrée qui a donné un caractère particulier à cette année qui a été décrétée par le Saint-Père, année de la vie consacrée. Plusieurs activités et réflexions tant à Rome que partout dans le monde ont été organisées en vue de renforcer les charismes et la mission de la vie consacrée dans l'Église. François Laura aussi. Nous voulons au respect de la création et de la nature tout en sachant que tout ce que Dieu a créé est bon et beau. En 2015, notons qu'à cette rencontre, le papa a rencontré les familles, y compris les nôtres, conduites par le couple président de la commission diocésaine. Un forum que nous avons suivi avec beaucoup d'attention et dont les résolutions nous aideront à bien orienter la pastorale dont il est question dans notre archidiocèse. Le lancement de l'année sainte de la miséricorde en date du 8 décembre 2015 et l'ouverture de la porte sainte de la miséricorde, événement relayé par chaque évêque dans son diocèse. 2015 a été une année pendant laquelle toute notre pastorale a été orientée vers la famille et la vie consacrée. Et à l'origine de la famille. Voulant bien communiquer avec l'Église universelle, l'archidiocèse a accordé aussi une grande importance aux activités liées à l'année de la vie consacrée, étant donné que notre diocèse est l'un dans lequel la présence des personnes consacrées est très remarquable. La vie consacrée, la Summa et le Summa, afin de rendre la vie et susciter des nouvelles espérances dans le monde d'aujourd'hui. Dans la vie de notre archidiocèse en 2015, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour tous les biens en matière de perspective pastorale pour l'année nouvelle que nous commençons dans quelques heures. Du temps par les séquences 6 sondages de notre destinée archevêque, cette liste n'est pas égale. 100 ans de la paroisse Sainte-Anne, 60 ans de la paroisse Saint-Michel, 50 ans de la paroisse Saint-Louis. Jean-Pierre Kwambamba et Donatien Bartolinsoni venaient ainsi se joindre à Monseigneur Édouard et Timothée pour le renforcement de l'action pastorale dans l'archidiocèse de Kinshasa. La fonction d'un chapiteau devant servir aux grandes célébrations et rassemblement des fidèles de notre archidiocèse. Par exemple, le centre de pastoral Lidongué de la formation des animateurs laïcs des paroisses, formation portant sur l'histoire de l'Église, la liturgie, l'enseignement social de l'Église, les trois canons du gouvernement pastoral, le ministère chrétien et la méthodologie religieuse, grâce au partenariat initié avec Monsieur Paquet, par le canal du service des projets du Centre diocésain de pastoral de Lilongué et sur recommandation de notre archevêque. Ces formations sont en cours et demandons aux paroisses de nous envoyer les fidèles désirant bien la suite afin de devenir animateurs des paroisses en Congo. Kinshasa, suivi de l'ouverture de la porte de la miséricorde à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Organisé à la paroisse du Sacré-Cœur le 20 décembre 2015. Tous les diocésaines des commissions et mouvements précédés des formations ou sessions. Écuménisme du 17 au 24 janvier 2015, semaine des unités des chrétiens. Commission diocésaine justice et roi. Pastorale de la santé, journée des malades le 7 février 2015. Mariage et famille. Célébration avec les couples jubilaires en date du 14 février 2015 au sanctuaire Notre-Dame de Paix de Fatima. Suivi des catéchèses de son éminence, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, avec les jeunes de nos trois régions apostoliques, ainsi qu'avec les délégués des jeunes du CHEAM sur le terrain de la FUNA. Catéchèse, journée du catéchète à l'écoute de son pasteur, le 17 mai 2015 à Saint-François-des-Salles,
et la semaine catéchisme sur la richesse face aux enjeux de l'agriculture médiatique. Communication sociale, célébration de la 49e journée mondiale des communications sociales à la paroisse Saint-Adèle-des-Grands. De nouveau dans l'esprit, rassemblement de la Pentecôte, CEVB, le 27 juin 2015, avec une grande campagne de collecte de biens pour les pauvres. Mon thème annonce en tournoyé sur le 29 juin 2015. Célébration du mariage canonique collectif des couples membres de la communauté familiale chrétienne. Sur la même ligne de la pastorale d'ensemble, nous pouvons oublier les formations organisées par la Commission Justice et Paix. La réception des sacrements d'initiation chrétienne en moyenne 269 000 enfants, jeunes et adultes de la fin mai à la fin août. L'aîné cherchait à le rencontrer régulièrement dans la prière, les sacrements et dans le frère et sœur créés à son image. Que les enfants découvrent en Jésus leur ami et modèle à suivre. Qu'en faire, famille de Nazareth? Aider les familles à devenir de véritables lieux où se cultivent les valeurs chrétiennes et morales afin d'aider les enfants d'y grandir en faisant de ces valeurs leur véritable ligne de conduite. Comprendre que Dieu nous aime et que ses bras sont toujours tendus pour nous accueillir, qu'il se dérange pour notre conversion, que nous cherchons toujours à aller vers lui. Et l'autre à ta gauche. Il y a la tentation de suivre Jésus par amitié.
bien, c'est clair, celui qui appelle, c'est Jésus. On est et on suit le chemin de Jésus. Et s'il y a ici un prêtre qui ne sent pas pécheur, il lève la main. Jésus, nous font aller de l'avant. Celui qui a commencé en vous, ainsi au travail. Rappelez-vous dans l'évangile, quand la porte et quand est-ce que Jean va pleurer? Celui qui s'est rendu compte qu'il était pécheur. Si pécheur, il a trahi son Seigneur, et lorsqu'il s'en est rendu compte, il a pleuré. Qui comprend Jésus? Un mystère. Un religieux, et Jésus une religieuse, les larmes se sèchent, quelque chose ne va pas. Vous pourquoi les enfants souffrent? Et chaque fois que moi j'examine un enfant souffrant du cancer, d'une tumeur, d'une maladie rare, comme on les qualifie à présent, je me demande à certaines douleurs, à certaines situations de la vie. Saint Paul disait à ses disciples, souviens-toi de Jésus-Christ, souviens-toi de Jésus-Christ crucifié. Et vous remerciez. Merci de vouloir Jésus. Merci pour chaque fois que vous vous sentez pécheur. Merci pour chaque caresse et tendresse que vous donnez à qui en a besoin. Merci pour toutes les fois où vous avez aidé tant de personnes à mourir en paix. Merci pour consumer votre vie dans l'espérance. Merci de vous faire guider et corriger et pardonner tout le jour. Et je vous demande, en vous remerciant, de ne pas oublier de prier pour moi parce que j'en ai besoin. Merci. Les prêtres et les sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa.
à chacun d'entre nous comme ce grand modèle. Nous allons ici de faire une rétrospective de l'année qui s'achève. Cela a été si bien fait par la décharge. Nous nous entendions toutefois de ne pas vous exprimer notre gratitude pour les deux nouveaux évêques auxiliaires que vous avez voulu vous associer pour le ministère pastoral à Kinshasa et que vous avez ordonné le 7 juin dernier sur l'esplanade du palais du peuple, la même où vous avez été ordonné évêque par le pape. Il y a exactement 35 ans. L'archidiocèse s'est enrichie de 7 nouveaux prêtres et de 7 nouveaux diacres que vous avez admis et ordonnés aux ordres sacrés du presbytérat et du diaconat. Mieux faudrait-il encore mentionner la célébration du jubilé de vie sacerdotale de certains confrères prêtres. Seigneur,
qui est un master
Vous êtes là, vous êtes ici. Non, je pas que je vais en faire communiquer à ce qui l'Assemblée du Père Chinois le lundi 11 janvier 2016 à 10h à la paroisse Saint-Joseph, Assemblée extraordinaire. Thank you.
Thank you.
Oui,
Là-bas.